Ok, et donc là, je peux faire un run. Hop. Voilà, c'est histoire de réaugmenter encore mon... Mes hacknets, je vais encore continuer à upgrader ça. Bah, je vous tiens au courant quand j'obtiens quelque chose. Et si j'obtiens la faction New Tokyo aussi, voir ce qu'ils ont à proposer. Pour le moment, j'augmente mon niveau chez Volaven. Puis on va voir. Allez, je laisse tourner. Et dès que je peux, je mets une backdoor sur. D'ailleurs, je vais sélectionner le serveur Alpha Ant. Voilà. Backdoor. Voilà. Quand j'aurai le niveau, je lancerai une backdoor tout de suite sur Alpha Ant. On verra bien si c'est ça ou si c'est pas ça. On verra bien. Allez, à plus tard. Bon, donc j'ai pris les augmentations donc de la nouvelle faction qu'on avait là, Volaven, et plus une nouvelle augmentation Neuroflux Governor. Je suis arrivé à 650 de niveau de hack, mais ça n'a pas déclenché de nouvel événement. J'ai mis des backdoors dans tous les serveurs qui étaient accessibles, y compris maintenant le tout dernier sur lequel je viens de mettre une backdoor, c'est Syscore, qui est à 645 de level. Et d'ailleurs qui n'a pas de RAM. Du coup, il est même pas exploitable ce serveur. C'est étrange d'ailleurs. D'ailleurs, c'est étrange que ce serveur soit pas. Enfin, soit. Après, je suis bête, mais le serveur en question, c'était un serveur à zéro. Du coup, il faudrait que j'atteigne le skill level 771, peut-être. Est-ce qu'il y en a d'autres? Y a d'autres RAM. Crush Fitness, je suis désolé, pour moi Crush Fitness ça ressemble beaucoup à... Et puis pareil, il est à RAM 0 quoi. Comptech 0 aussi. C'est bizarre tous ces serveurs qui sont à 0 de RAM quoi. Pour moi c'est forcément des serveurs de faction, justement. Comme. Quoique, non, parce que le serveur 4i, là, il n'était pas à zéro, donc c'est pas. Non, c'est pas forcément parlant. Bon, bref. Du coup, je propose de restart une nouvelle fois avec 5 augmentations. Bon, là, c'est essentiellement des augmentations sur la force, la défense, et il va falloir que je up de level là-dessus. Là, je suis en train d'augmenter mon charisme, comme vous pouvez le voir, mais. Mais en vrai, je vais. Ça sert à rien, je refais une install. Hop, c'est parti, on recommence. Donc, ville. On achète le Tor Router. Et c'est parti. Hop. Non, je suis pas. Hop, elle a pas été sauvée, ma ligne de commande. Donc, il va faire un LS d'abord. Hop, et ensuite on fait un run. Faudrait que je fasse un petit script qui lance automatiquement. On va faire ça rapidement. Il n'y en a pas pour longtemps. On va faire un nano start.js. Ok. On fait un du coup c'est run hein, tout simplement. Bon, oui bah c'est ça, donc c'est ns.run. Le script, donc le premier script qu'on lance c'est
Hop, hop, hop. MK image serve. MK. IMG, hein, j'ai marqué un hein, serve, c'est ça? Ça, je l'ai écrit comme ça, il me semble. Hein. MK IMG serve, oui, c'est ça. Ensuite, on a le hack install. Donc, j'écris pareil en camel. Virgule. Hop. Toc, toc, toc. Donc. Install. Et pour finir, c'est upgrade. Hacknode, hein, je l'écris comme ça, je crois. Je vais vérifier avant de le lancer. Il me semble que c'est ça. Non, Hacknet. Je l'ai écrit comme ça. Ok, upgrade Hacknet. Ok. Bon, bah, let's go. Hein. Est-ce que je lance autre chose? Non, ce sera bon. Allez, hop, c'est parti. Du coup, je fais un run start JS et ira plus vite. Eh ouais, ça marche nickel. Ça marche nickel. C'est bon, j'ai mon niveau de hack qui augmente. Je viens de passer de 2 à 21 en une fraction de seconde. Donc c'est bon. Alors, ensuite, du coup, est-ce qu'on essaye de revoyager? Non, on va pas faire ça. Alors, pour le moment, j'ai pas de faction. L'idéal, ce serait. Ouais, évidemment, que je chope cette faction-là. Évidemment, je peux pas voyager encore, j'ai pas suffisamment d'argent. Mais il faudrait que j'arrive à Chongping. Je crois que c'est le meilleur endroit pour ça. Et je travaille pour une faction qui augmente ma force, ma défense et tout ça. Parce que là en soi. Ce qu'il faut surtout, c'est que voilà, j'arrive à gagner suffisamment de d'argent et puis après je peux en fait acheter les programmes plutôt que. Ok, du coup, ça c'est Netburners. Et pour les Netburners, je peux pas faire de contrat qui m'augmente ma défense, enfin mes autres statistiques. Mais il y a à chaque fois un job de gardiennage sur certaines factions. Il m'en faudrait. Du coup, oui c'est vrai, le bruit SH je l'ai déjà. Le FTP crack c'est 1 million. Du coup, est-ce que j'arrête déjà le Hacknet pour pouvoir me le payer? On peut le faire, hein. Ça augmentera plus vite mon niveau de hack. Et puis surtout, déjà je peux aussi prendre le Service Profiler. Bon, allez, on va faire ça. Hop, là je suis à combien? Je suis à 3K secondes.
4K. Bon, ça augmente encore vite, donc je vais peut-être encore un petit peu attendre. Mais en soi, voilà, faudrait que là, faudrait que je l'arrête en fait le script et que je commence déjà à acheter les programmes. Bon, je vais le faire. Hop. Active Script, Home et Home.net. Donc ça, je le ferme. Du coup, là, j'augmente en pognon. Ouais, en vrai, j'augmente pas très vite. Ouais, j'augmente pas très vite, je vais plutôt la relancer. Bon, de toute façon, c'est tout, hein. On est reparti pour un tour. Ok, les night sec. Bon, ça c'est du détail. Si je fais... déjà commencé à faire ça, c'est-à-dire les alors dans l'ordre on a les ESSEC. Si je fais une backdoor sur eux, c'est bon. Et ensuite on a les night sec et j'ai pas encore le niveau. J'étais trop vite avec S-Sec ou... Ouais non, c'est bon. Hop. Et pour les nids de sec, j'ai déjà me mettre sur leur serveur. Putain, à chaque fois je le rate, mais c'est le nom qui me fait penser à un nom de domaine OVH. Là, je sais pas, c'est le O2H, ça me fait penser au OVH. Hop. Et du coup, il faut que je sois level 219. Je vais bientôt y être. Bon, ça c'est du détail. Chez CyberSec, est-ce que je peux... Non, c'est pareil, c'est du hacking pur. Allez, c'est bon. Ah, il n'a pas encore. Ah bah oui, évidemment, j'ai pas les programmes. Je suis à combien là dans les hacknets? 5 kilosecondes? Non, faut attendre un petit peu que j'ai le pognon pour. Ou alors je développe. Allez, je développe. Je suis à combien? Je suis à 5K secondes, hein. Même à 6K secondes. En vrai... En vrai, je devrais laisser progresser et commencer déjà à bosser sur... sur ma force, ma dextérité, tout ça. En vrai, je devrais faire ça. Du coup, on va faire ça. On va laisser le hack augmenter, l'argent augmenter tout seul. Et on va aller à Powerhouse. Je crois que c'est ça qui coûte le plus. Enfin, qui est le plus puissant. Et on va augmenter la force. Dans un premier temps. Voilà, ça va aller relativement vite. Je vais monter jusqu'au niveau 100 pour chaque statistique et on verra un petit peu ce qu'il se passe au niveau de voilà, c'est au niveau de mes voyages. Après, je vais voyager et voir déjà si à 100 j'obtiens des choses.
Donc je vais augmenter voilà, ma force à 100, ma défense à 100, la dextérité, l'agilité et le charisme jusqu'au niveau 100. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Sachant que là, ça me consomme 2K par seconde. Hein. Mais bon, j'ai ce qu'il faut, quoi. Le hacknet continue d'augmenter, c'est 7K secondes, donc dans tous les cas, je suis rentable. Dans tous les cas, le pognon rentre. Ok. J'arrive au niveau 100, du coup, après, j'ai augmenté la défense. Ok. Alors l'avantage de la défense, c'est que tous les 10 niveaux, j'obtiens un point de vie supplémentaire. Mais ça, normalement, c'est pratique, c'est quand on fait des, voilà quoi, des crimes. Voilà, prise d'otage, vol de magasin. Oui, de la cambriolage, ce genre de choses. Bref. Hop. Ça va relativement vite. J'augmente la dextérité. Ça se fait, j'ai envie de dire. Ok, on est à combien au niveau des hacknets? 8K. Donc ça c'est la dextérité, hein. J'augmente. Plus que 10 niveaux, après je passe à l'agilité. Et je vais déjà atteindre le niveau 300 en hack. Donc après dans la liste ce sont les 3i, enfin les 4i. Ok, agilité. Hop. Et après ce sera le charisme à l'université. Du coup, les 4i, c'est niveau 346 de hack. Pour moi, j'ai pas le texte. Ouais, mais c'est le même truc. Il me faut de toute façon les programmes avant. Ça c'est ok. Du coup, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est
Allez, on va arrêter le script. Normalement, là, ça devrait augmenter suffisamment vite. De toute façon, après, dans la ville, je suis là, je suis. Ça va, en 2 minutes, on est déjà niveau 75. En vrai, ça va vite. En vrai, ça va vite. Ah bah, c'est bon. FTP crack. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le prochain, c'est le relais SMTP. À mon avis, c'est parce qu'il y a un hack qui a dû passer, ça m'a rapporté masse pognon là. Ok, je suis 1,5 million. Il me faut 5 millions pour le relais SMTP. Donc on va laisser passer ça. Sauf que on peut déjà passer chez les. Chez les Knights. Parce que maintenant, normalement, on devrait avoir l'accès route. Ça c'est ok. Le prochain c'est les 4i là, ça va pas tarder. Bah non, il me faut justement le SMTP. Du coup, hop. Donc ça, les Night Sec, ok. Et donc là, il me faut le relais SMTP. Ok, dès que j'ai 5K, je peux. En attendant, cité, université, hop, leadership. C'est parti, ça va aller très très vite. Parce que j'ai des augmentes qui font que le charisme augmente plus vite, je crois. J'ai eu des augmentations qui concernent le charisme. Donc en vrai, en 3 minutes, c'est réglé. Et je serai niveau 100 en 3 minutes, donc ça sera pas un souci. Je suis à 4 millions, quasiment. Il me manque 1 million et c'est bon. Je peux acheter le relais SMTP. Ça, de toute façon, le prochain c'est le relais SMTP. Hop, c'est bon, je peux l'avoir. Du coup, les 4i. Hop. Petite backdoor. Voilà, ça c'est réglé. Ok. Donc au niveau des factions, il y a les Night Sec qui sont pur hack aussi. Les Black End, résultat, je les ai. Et j'ai. Ah! Alors que j'ai carrément l'option de donation. Alors c'est quoi l'option de donation? Ça donne la réputation. Donation amount. Ouais, voilà. Hop. Donation amount, réputation multiplier. Divisé par 1 million. Ouais, d'accord, ok. On s'en tape. Du coup, voilà, je peux bosser là-dessus et ça m'augmente tout. Alors ça m'augmente tout de peu, hein,
Mais ça m'augmente tout. Du coup, je peux laisser là-dessus. Et ça m'augmente aussi ma réputation. Pour eux, pour les back-end. Mais en soi, on s'en fiche un petit peu. L'idée maintenant, c'est de relancer le script déjà pour commencer. Upgrade. Acnet. Oui, .js. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Ensuite, donc ensuite, voilà. Donc, l'argent va continuer de monter. Quand j'aurai besoin, je prendrai le HTTP Worm et le SQL Inject. Mais ça, il va falloir que j'attende un petit peu. En attendant, ce qu'on va faire, c'est voyager un petit peu. Donc, ici on a U, il nous manque ici, New Tokyo. New Tokyo, je n'ai pas le... Évidemment. Il faut que j'ai 200K, il faut que j'atteigne les 200K pour pouvoir voyager. Ok. Mais ça m'a coupé le boulot pour les back-end. Du coup, field work, hop, do something else. Voilà. Comme ça, moi, je veux que tout augmente là. Je veux continuer à augmenter pendant que je fais autre chose. Du coup, est-ce que. Donc là, je suis à New York. Est-ce que ici, ça me permet de débloquer quelque chose? Pour le moment, non. Donc moi, j'aimerais essayer de débloquer cette faction-là. Donc on va y rester un petit peu. Je sais pas si en fait il y a une réputation cachée. Plus on reste dans une ville, plus on est susceptible de découvrir la faction. En tout cas, voilà, on va faire ça. Bon. De toute façon, là, pour le moment, donc il y a, voilà. Pour le moment, toutes les factions que j'ai, là, il n'y a pas de... Bah, il n'y a pas de nouveauté au niveau des augmentations. Donc, il va falloir, de toute façon, que je réattende d'atteindre le niveau 500 hack, ce qui va être assez rapide, ça va. Et pour le reste, eh ben, je sais pas trop en fait. Je sais pas s'il faut des niveaux particuliers en force, en défense, en dextérité, en agilité. Ça là-dessus, je sais absolument pas. Du coup, voilà. Et puis le truc, c'est que même les achievements. Ouais, les achievements sont cachés, du coup. Ah non, j'en ai. Join the Bitrunners. Ok. Les prochains, ce sera Dédalus. Ok. The Covenant. Les Illuminati, d'accord. Le Source Genesis, ok. Alors ça, c'est bizarre, c'est... J'aurais dû l'avoir quand j'ai hacké le jeu, mais je l'ai pas eu. Avoir 100 augmentations, on est à combien? On le sait ou pas? Non, on a la liste, mais pas le nombre d'augmentations. Ce qui est un peu dommage. Hop. Évidemment. Ah bordel, je n'ai pas vu celle-là. Avoir 40 augmentations dans la liste d'attente. Atteindre les 100 000 en hacking skill. Ok, d'accord. Punchman.
Obtenir 3000 dans toutes les stats. D'accord. Ok. Dans toutes les stats de combat, c'est-à-dire certainement les 4 en blanc. Pas de soucis. La vache, Neurofluxus Love, Neurofluxus Life, d'accord, ok. Atteindre le niveau 255 en Neuroflux Governor. La vache. La vache. Bon. Faire tourner 1000 scripts simultanément. Ah! Ça, c'est peut-être faisable. Ça peut être faisable. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est simultanément sur un serveur ou sur tous les serveurs? Si c'est sur tous les serveurs, c'est encore plus simple. Nine mort real life RAM. Ça, bah oui, évidemment, là c'est mon PC à moi. Enfin, c'est Electron qui va commencer à galérer à faire tourner 1000 scripts d'un seul coup. Donc ça va être mes RAM réels qui vont un peu souffrir. Mais bon. J'ai 12 Go de RAM sur mon PC. Donc ça devrait aller. Surtout avec les trucs que je fais tourner dessus, honnêtement, c'est faisable. Big Trouble. Ah oui, c'est ça. Faudrait que je vide un serveur entièrement de ces données, donc que je ne fasse pas de gros dessus, que vraiment je pompe, je pompe, je pompe, quoi. Bon. Hop. Maximiser sur Home Computer RAM. Bah, je suis pas au max. Et bien sûr, là où je suis, il n'y a pas de magasin de. Il n'y a pas de magasin, sinon ce serait trop facile. Que ça c'est pour voyager. Donc c'est mort. Bon, je suis niveau 400 en hack. Est-ce que ça vaudrait le coup là de refermer? Je suis à combien en hacknet là? 16K secondes. Non, bah, je vais laisser tourner et je retrouve tout à l'heure. Mais de toute façon, je vais réatteindre le niveau de hack 500. Donc, je vais retrouver le mail des 19 machins là. Enfin, donc des bitburners, c'est ça? Bon, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bien, donc, il s'est passé plusieurs choses. Enfin, il s'est passé plusieurs choses. Surtout passé une chose. J'ai trouvé le fameux serveur des Bitburners. Des Bitrunners, pardon. Je sais pas pourquoi je lis ça, Bitburners, alors que c'est Bitrunners. Bref, c'est pas. Oui, c'est parce que le jeu s'appelle Bitburners, tout simplement. Du coup, donc j'ai trouvé. Alors, on va déjà voir c'est leurs augmentations et je vais vous dire après comment j'ai trouvé. Là, je travaille pour eux pour augmenter la réputation jusqu'à 1 million. Du coup, là, il me manque encore un peu plus de 50K. Donc ça va tourner encore un petit peu. Je peux déjà acheter peut-être le Bitrunner Neuralink. Enfin bref. Bah justement, donc il y a ça. Ouais, si, je vais l'acheter maintenant. Qui permet de commencer le jeu avec le FTP crack et le relais SMTP dès le début. Plus en plus plein de pourcentages sur le hack skill, sur la rapidité de hack, l'échange de succès.
Voilà, donc ça c'est le truc indispensable, j'achète maintenant. Voilà. Le prochain coûte 50 millions. Ok, donc on va laisser que ça. On va attendre que ça augmente un petit peu. Et de toute façon, il me faut 1 million de réputes. Donc c'est parti. Comment j'ai trouvé cette faction? Parce que quand je suis dans le terminal, que je fais un connect. Non, pas un connect, un scan. Analyse de 10, donc de niveau 10. Évidemment, le serveur qui correspondait à. Attendez, hop, LS 4, et c'est 19, c'est ouais, c'est truc 19, 4, pas cal, 19, tac-tac. Voilà, en fait, il faut trouver ce serveur-là, le serveur qui porte ce nom. Et en effet, quand j'ai regardé dans ma liste de serveurs, en effet, il est dans la liste. Il est dans la liste. Il est là. C'est le 39e serveur. Donc ça fait bien partie des serveurs existants. Mais il n'apparaît pas dans mon scan de 10. Du coup, ça veut dire que c'est un nœud qui est beaucoup plus profond que ce que me permet d'avoir mon scan. Du coup, j'ai modifié mon petit script. Hop, le script. Non. Hop. Le script, tac tac tac, il est où? MK image serve, voilà. On va, hop, pour le moment, je vais réduire ça pour que vous ayez bien le code. Du coup, ce que j'ai fait, c'est. Donc, ça, c'est le inarray, la fonction. J'ai rajouté donc une variable graph, qui est un objet. Toc toc. Et j'ai tout simplement rajouté, modifié un petit peu ici, de façon à ce que dans le inarray, si le voilà, si le la target, enfin, si le nœud que je parcours n'est pas déjà dans le graphe, alors je vais le rajouter. Je vais le rajouter et lui mettre un tableau vide qui est lié à ce nœud. Et dans ce tableau-là, je mets les nœuds suivants. Donc voilà, donc ici je fais un pareil. Donc si ce n'est. Si le host n'est pas dans. Voilà, si le host n'est pas dans le. Dans la target, je. Oh zut, attendez, comment dire? Si donc le nœud parcouru n'est pas dans le. Dans le. Et c'est ça, ouais, attendez, donc c'est ça. Excusez-moi. Donc là, ici, en fait, je rajoute la clé à mon graphe, donc c'est la target en cours. Et dans ce truc-là, je rajoute, en fait, les nœuds suivants. Donc dans le for each, en fait, je rajoute les nœuds suivants. Voilà, et je fais mon crawl habituel. Et à la fin, ce que je fais, c'est si mon graphe n'a pas une longueur nulle, donc si le graphe, il a au moins un nœud de connu, je le stocke dans mon local storage avec la clé graph. Cette variable-là, du coup, ben, j'ai obtenu le graph de mon donc du jeu, tout simplement. Donc je sais que quand je suis par exemple sur le serveur point, j'ai accès les nœuds d'après, c'est B-A, -A, et le nœud blade. Voilà, si je trouve homme, voilà, si je trouve homme, hop, je retrouve bien tous les nœuds qui apparaissent quand je fais un scan, tout simplement. Évidemment, je fais en sorte hein, que le graphe ne va que plus en profondeur et ne revienne pas en arrière. Du coup, alors, d'un premier temps, je l'ai fait manuellement. Donc, j'ai trouvé donc mon nœud run for the 11Z là, et j'ai vu qu'il était lié au nœud full crumb tech. Ok, du coup ça c'est bon, je note et je trouve le nœud full crumb tech. Il est là, il est lié à Force Sigma. Et Force Sigma, il me semble qu'il était dans mon tableau, hein. Enfin dans mon scan. Si je dis pas de bêtises. Non,
Non, il est encore trop loin, je crois. Il est encore trop loin, Fort Sigma. Ouais, il est encore trop loin. Bon. Et l'idée, c'était ça. C'était de remonter le graphe jusqu'à arriver dans un des... Dans un des nœuds qui apparaissait. Donc, du coup, je remonte encore. Donc, tac, tac, donc Fort Sigma. Donc, je remonte le graphe. Donc, il faut que je trouve le nœud Fort Sigma. Et bien sûr, c'est pas dans l'ordre, sinon ce serait pas drôle. Il est où Fort Sigma? Là, ça commence par un 4, ça devrait me sauter aux yeux. Zut. Attendez, j'ai pas ce nœud? Si, il est forcément là. C'est pas vrai. S'il commence par un chiffre, je l'ai pas. Ah merde, il manque une partie du graphe. Ah, c'est pas vrai. Pourtant, je suis bien remonté. Pourtant, j'ai bien réussi à remonter. Fort Sigma, mais il... Non, je suis en train de descendre dans le scan. Excusez-moi. Non, c'est parce que... C'est ça, c'est parce que je suis en train de descendre dans le scan. Fort Sigma, c'est un truc... Non, excusez-moi, c'est la logique inverse. Donc, j'ai ce nœud-là. Il faut que je trouve le nœud... c'est l'inverse, il faut que je remonte le graphe. Du coup, il fallait que je trouve... donc, du coup, mon serveur dans les... dans les serveurs en blanc. Du coup, papa, il était. Excusez-moi, c'est moi, j'ai fait ça il y a 2 jours. Du coup, il est. Zut. Vous devez le voir, hein, dans les mots en blanc. Il est là, voilà. Donc, il est lié à Novamed. Voilà, il est lié à Novamed. Du coup, on recherche Novamed dans les nœuds en blanc maintenant pour remonter. Et Novamed. Je vais le trouver. Novamed, c'est le dernier. Il est lié à Zeusmed. Zeusmed est lié à... Je crois qu'il est en haut. Zut. Il est où? Voilà, et le but c'était de faire ça, c'était de retrouver à chaque fois les nœuds et remonter. Jusqu'à arriver sur un serveur de cette liste. Donc TheSmed, il est là. Il est lié à UnitaLife, que je n'ai toujours pas dans ma liste. Du coup, je cherche UnitaLife. UnitaLife, c'est Snap Fitness. Et Snap Fitness, il me semble que je l'ai. Il me semble que je l'ai. Non, toujours pas. Du coup, je remonte encore. Donc, Snap Fitness. Tac, tac, tac. Il est où? Zut, il est où, Snap Fitness? Vous devez le voir aussi, hein, je galère là. Snap Fitness, là. Millennium Fitness, voilà. Il est lié à Millennium Fitness que lui, par contre, je dois avoir. Mais The Smed, ah bah voilà, The Smed, je l'ai là en fait. Donc depuis The Smed, je l'avais en fait.
Unita Life, il est là, ouais, voilà. Donc je suis en train de remonter, et Snap Fitness, je suis là. Bref. Du coup, excusez-moi, j'avais pas vu que The Smed était là. Du coup, je me mets sur The Smed, je refais un scan analyse de 10, et là, j'ai remonté. Et là, tac 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 tac, il est dans le, il est dans le truc. Il doit apparaître là quelque part. Là, il est là. Et du coup, là, j'ai trouvé le serveur. Du coup, bon. Je voulais. Donc, ça, c'était chiant à faire, hein, comme vous pouvez le voir. Je remonte les nœuds et tout manuellement. Du coup, je me suis dit, il y a quelques épisodes de cela, je vous ai parlé d'une librairie qui s'appelle. D'une librairie JavaScript qui s'appelle Cytoscape.js. J'ai donc copié-collé ça. Je l'ai collé dans un script modifié de Cytoscape.js, un truc modifié par mes soins. Et du coup, mesdames et messieurs, voici le graphe des serveurs du jeu. Regardez-moi ce merdier! C'est ouf. C'est ouf, ce jeu est ouf. Ce jeu est complètement dingue. Du coup, voilà, ouais, c'est ça. The Smed, j'avais jusqu'à The Smed. C'est ça, en fait, mais mon scan de 10, quand je suis à Home, je peux aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à Novamed. Et le serveur Run for the 11Z, il est à 11 nœuds. Ce qui fait que mon scan de 10 ne pouvait pas l'atteindre. Donc il y a une grosse partie, enfin il y a quelques serveurs, résultat que je ne peux pas atteindre avec mon scan. Il me faudrait un scan V3 en fait, mais qui n'existe pas visiblement dans le jeu. Pour obtenir tout le graphe en fait. Mais voilà, je vous laisse prendre un screenshot si vous voulez le graphe du jeu. Ça a été fait avec Cytoscape.js. Voilà. Donc et là vous avez tous les serveurs du jeu. Y compris même le Dark Web, même si c'est pas... Voilà, même si c'est pas important. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu, mais c'est le bazar, quoi. Donc on retrouve un hein, Fontstuff au départ et Max Hardware qui est lié, ce genre de choses. AMV Knight qui est lié à SilverElix, puis à Nectar Z, puis à Joe's Guns. Voilà. Donc ça, c'est le graphe du jeu, et on se rend compte bah, que c'est un graphe. Que c'est un graphe. Ça porte un nom ces graphes-là. C'est un graphe où il n'y a rien qui reboucle. Par exemple, on pourrait avoir, si vous voulez, Metacore, par exemple, qui est lié à Galactic Cyber, par exemple, ou à ZB Institute, et ça créerait un nœud, enfin, une boucle dans le graphe. Or, ce n'est pas le cas, c'est un graphe sans boucle. J'ai plus le terme. J'ai plus les termes de la théorie des graphes. Je le manipule, mais j'ai oublié complètement tout le vocabulaire de la théorie des graphes. Mais voilà, si ça vous intéresse, voilà. Du coup, je réfléchis. Est-ce qu'on peut exploiter ça davantage? Je sais pas trop si on peut exploiter ça davantage, mais voilà. Mais au moins, on l'a visuellement. Si j'ai besoin du graphe visuel, je l'ai quoi. Hop. Et c'est pas monté, hein, j'ai juste mis l'image dans OBS. Voilà, je me fais pas, je m'embête pas avec le montage. Hop. Du coup, ça c'est bon. Je suis à 25 billions. Ma faction d'attaque, je suis à 7K. Du coup, voilà. Bah, je suis en train d'attendre, en fait, tout simplement, que d'avoir assez de pognon. Voilà. Attendez, excusez-moi. Toc, 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 toc. Attendez, il faut que je modifie un truc sur mon téléphone. Mais en gros, voilà, je suis en train d'attendre.
Hop. Voilà. Ok. Du coup, si je voulais, je pourrais acheter aussi le Neural Accélérateur, mais ça augmenterait le prix du reste. Ça, c'est combien ça? Plus 20% de hack power, ouais. Après, j'ai ça, hein, que je peux bientôt avoir, c'est le Gen 6 du crâne. Excusez-moi, Crania Signal Processor. Plus 75% de gros power, plus 25% de hack power. Intéressant ça. Ça va être intéressant. Bon, voilà. Donc là, je suis niveau 844 au niveau du hack. J'ai pas reçu de nouveaux mails. Comme vous pouvez le constater dans mon terminal. Si je fais un home. Point virgule ls. Voilà. Voilà, j'ai pas de nouveaux messages. Le dernier message que j'ai, c'est celui-là. Après, j'ai les secs. Après, j'ai J3, J4 là. Et c'est tout. Et de toute façon, donc dans le milestone, de toute façon, c'est mon prochain objectif, c'est d'avoir toutes les augmentations de Bitrunners. Mais au moins maintenant, je sais comment y accéder. Si je dois reboot le jeu, je sais comment accéder à ce serveur. Alors après, j'ai une autre option, hein. J'ai totalement une autre option. C'est de faire un restart du jeu, donc un installation, installer les quatre augmentations que j'ai. Ah oui, puis il faut que je vous parle des trois autres augmentations. Et au moins j'aurai de la faveur. Et par conséquent, j'aurai des prix moins élevés pour acheter ces améliorations-là. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On verra pour le moment. Je pense qu'atteindre les 58 billions, c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas trop. Bon, c'est mais. On peut. Mais si je veux payer moins cher et aller plus vite, ouais, j'irai plus vite à faire ça. J'irai plus vite à restart et à faire baisser les prix. On verra si je me décide à faire ça. Donc, il y a les autres augmentations. Donc, on a le nitrogène implant, hein, c'est ça qui vient. Non. Voilà, le Bitburner et Neuralink. L'infranet. Donc, l'infranet, le neurogène. Et le Nutrigène. Donc, ça.